Le chêne qui est couché là derrière moi avait près de 600 ans. Né pendant la guerre de 100 ans, sous le règne de Charles VII, il avait résisté à toutes les tempêtes, et elles furent nombreuses. Déjà plusieurs fois centenaire, il avait essuyé l'hiver polaire de 1693, qui décima plus d'1,5 million de personnes sur une population d'à peine 20 millions d'âmes. Chaque pré offrait alors le spectacle de cheptels anéantis, pétrifiés par le gel. Les témoignages racontent qu'on voyait les oiseaux tomber du ciel saisis en plein vol. Dans les champs et les futaies, les noyers, les chênes, les châtaigniers, gelés à cœur, éclatés avec le bruit d'un tir de mousquet, disent les contemporains. Grande dut être la tentation de le réduire en bois de chauffe, il n'en fut rien. Et il en fut du même pour l'hiver 1709. Si nous connaissons tous l'anecdote du vin gelant en carafe sur la table de Louis XIV à Versailles, l'on sait moins que 600 000 Français perdirent la vie, décimés par ce nouvel hiver sibérien. Et cela recommencera encore lors de l'hiver 1788, puis en 1879 et encore en 1954. Chaque fois, il a échappé à la mort, que ce soit par le froid ou par la hache. Et cela sans compter les revers de fortune des propriétaires successifs de la ville aux mers, qui auraient pu le vendre en toute impunité comme bois d'œuvre. Encore une fois, il n'en fut rien. Personne n'avait osé abattre un tel géant. Il avait même un nom, le chêne Thomassé. Il faut dire que nous sommes bien peu de choses à côté de tels monuments de la nature. Il était là bien avant nous, et il aurait dû être là bien après nous. Et comme lui, ils sont près d'une centaine dans le parc à avoir trouvé la mort dans la nuit du 16 au 17 juin. La tâche est immense. Et si quelques courageux bénévoles sont déjà venus spontanément nous donner la main pour rétablir les accès, il va falloir maintenant débiter, déblayer les millions de branches enchevêtrées, évacuer les souches, souvent énormes, arrachées par le vent, reboucher les cratères béants laissés par les souches, rétablir un terrain praticable, et enfin replanter pour les générations futures. Nous venons d'avoir la réponse de notre assurance. Le parc n'entre pas dans le cadre de nos garanties. En clair, nous n'aurons pas un centime pour réaliser ces tâches. Nos finances sont exsangues, car absorbées par le sauvetage du château lui-même. C'est pourquoi nous faisons appel à vous pour faire face à cette nouvelle épreuve. Pour nous aider, vous pouvez aller sur les sites internet dont les liens sont sous cette vidéo. Bien sûr, vous pourrez suivre ce nouveau combat sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Merci.